Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine de vlog, aujourd'hui on est lundi, il doit être 11h30, 11h40 pile poil. Comme vous avez vu juste avant, je me suis préparée avec vous, je me dis tiens ça faisait longtemps que je ne m'étais pas préparée avec vous. Et là je vous reprends ici parce que j'ai plein de petites choses sympas à vous montrer. J'ai été chez ma mère récupérer plein de colis, enfin 3 colis, et comme vous avez pu voir j'ai mis des ongles et tout, mais je vais vous présenter tout ça. Donc là ça va être le quart d'heure collaboration comme d'habitude, mais je vous en parle à chaque fois, je vous mettrai les liens et tout ça et tout ça. Ce sont des collabs que vous avez déjà vu passer sur ma chaîne bien sûr. Et je me suis dit je vais faire ça en début de vidéo, comme ça c'est fait, enfin surtout parce que une des marques m'a demandé d'en parler en début de vidéo, donc on va faire ça tout de suite. Je suis très très contente de collaborer encore une fois, j'avais collaboré une ou deux fois avec eux, avec la marque de bijoux Anna Luisa. Ils m'ont demandé de rechoisir 3 bijoux sur leur site. Alors, pour information, les à part les parfums Nox, parce que je vais vous parler des parfums Nox après, ce sont des collaborations non rémunérées. Les liens que je vous mets en barre d'infos, ce sont pas des liens affiliés, je ne touche rien dessus. La dernière fois, on m'a demandé, mais pourquoi tu ne touches rien dessus? C'est un choix de ma part de ne pas demander de liens affiliés, tout simplement parce que qui dit gagner de l'argent dit, bah vous devez déclarer l'argent. Voilà, tout simplement, moi je préfère avoir gratuitement les articles, pouvoir en parler librement, etc. etc. Je dis pas que ceux qui sont payés ne disent pas des choses vraies, hein, bien sûr que non. Mais voilà, moi je préfère pouvoir en parler librement, avoir mon choix au niveau des publications, de ce que je veux dire, etc. etc. Et surtout, de pas gagner d'argent, parce que si tu gagnes de l'argent, faut que tu te déclares, faut que tu déclares à l'URSSAF et tout ça. Et franchement, vu ce qu'ils prennent, voilà. Donc c'est, je suis transparente avec vous, voilà. Alors oui, certes, je touche rien, je perçois rien, mais j'ai des bijoux gratuits. Voilà, ça, je m'y retrouve ça paye pas les factures, mais bon, c'est pas, voilà, c'est ma façon de penser.
pour d'autres choses comme Nox et les bougies de Liejack. Là, par contre, c'est des liens affiliés où effectivement, je dois déclarer l'argent. Voilà. Parce qu'on m'a posé la question, donc je vous en parle. Bref, j'ai reçu les bijoux du site Anna Luisa, je suis tellement contente. Le site Anna Luisa, en fait, c'est un site qui se veut... comment dire, qui se veut clean et tout ça, avec des produits recyclés. Ce sont des bijoux, d'ailleurs, ce sont des bijoux. Alors, je suis partie sur leur site, mais leur site est écrit en anglais. Donc, je vais faire la traduction. Je sais pas moi qui traduis, hein, c'est l'iPhone. Alors, ils travaillent avec des partenaires de confiance qui partagent les valeurs et qui répondent aux normes afin que tout soit évalué équitablement. Je lis, je préfère lire, comme ça moi je vous dis pas de bêtises. Avec des produits de manière éthique, pas d'exploitation minière inutile ou de majoration excessive utilisée dans des matériaux recyclés et au plus possible, et 100% neutre en carbone, en eau et en eau du berceau à la tombe. C'est quoi cette traduction? Donc voilà, c'est vraiment une marque qui se veut avec des belles matières recyclées et tout ça. Et j'ai choisi, donc comme je vous ai dit, 3 pièces sur leur site. Donc même le carton arrive, c'est fait, tout est recyclé. Vous avez des petites pochettes comme ça qui arrivent. Je vous mettrai une petite incrustation de quand j'ai ouvert le colis. Vous avez une petite pochette comme ça et dedans vous retrouvez les bijoux avec le nom des bijoux et tout. C'est vraiment trop kiki et c'est super super bien fait. Donc j'ai pris déjà une superbe bague comme ça. Alors la bague, comment qu'elle s'intitule? il me semble que c'était la Chloé. Non, ça doit pas être ça. Alors attendez, je regarde. Si, c'est la Chloé. La bague que j'ai prise, je vous remettrai ici un close-up. C'est la Chloé. Vous avez plusieurs tailles au niveau du site. Vous n'avez pas que des bijoux argentés. Et après, au niveau de la qualité, c'est vraiment quelque chose qui ne bouge pas. J'ai voulu vous mettre des bijoux Anna Luisa que j'ai aussi depuis longtemps. Comme cette bague, par exemple, que j'ai de chez eux depuis déjà 2 ans, je crois. Et qui n'a pas bougé. Le reste, bon, ça c'est mes bijoux à moi, mais c'est pour vous dire, j'ai voulu vous montrer. Alors je me souviens plus du nom, mais voilà, enfin bref, du coup j'ai choisi ma taille, j'ai pris une taille assez grande pour pouvoir la mettre ici et je suis vraiment contente. Ensuite j'ai pris la petite boucle d'oreille, le faux piercing qui s'appelle Eleni. C'est le petit piercing qu'on met ici. Alors je venais de bidouiller mon oreille, donc j'ai l'oreille toute rouge, mais je trouve ça trop mims. C'est fait vraiment dans une matière très fine et tout, et pourtant, bah, comme je vous ai dit, ça ne bouge pas. Donc voilà, on est heureux. Et la troisième, le troisième bijou que j'ai pris, c'est cette paire de petites créoles comme ça, et elles s'appellent les Zion. J'adore, j'adore, le fermoir est super bien. Je vous ai montré hein, dans le close-up, voilà. J'adore comment c'est fait, c'est vraiment trop kiki. J'adore, franchement, je suis hyper méga contente de mes nouveaux bijoux. Donc comme je vous ai dit, je vous mets les liens en barre d'infos. Vous avez également un code de 20%. Ça, c'est cool sur le site de Anna Luisa. Ça arrive assez rapidement. Il n'y a pas de frais de douane, etc., etc. Vous avez à chaque fois les petites pochettes pour pouvoir ranger vos bijoux. Donc ça, c'est cool si vous voulez partir et tout. Même si vous voulez tout simplement ranger et conserver vos bijoux. Et voilà, merci beaucoup à la marque de m'avoir fait confiance une nouvelle fois. Et j'espère qu'on pourra collaborer ensemble encore et encore. Parce que si vous ne savez pas, j'adore les bijoux. Hein. Je vous en parle souvent sur ma chaîne. Quand je trouve des petits créateurs comme ça ou des endroits où je trouve des bijoux qui sont vraiment de bonne qualité, je vous en parle souvent. Et voilà. On aime, on adore. Donc on va continuer, je vous ai dit, là ça va être le quart d'heure où je vous montre ce que j'ai reçu. Mais c'est que des pépites et toujours pour revenir aux collaborations, vous savez que moi je fais, je fais des collaborations mais j'en fais pas des masses. Je refuse pas mal de choses et parce qu'il y a des marques avec lesquelles je travaille encore et encore et encore, que vous voyez repasser sur ma chaîne encore et encore et encore. Ce sont des marques pour moi qui sont une valeur sûre et pour moi ce qui est important, bah, c'est de vous apporter des trucs top et pas des flops quoi, des trucs que je connais pas ou voilà. Pourquoi mon téléphone il s'est allumé?
vous apporter vraiment du must, des trucs que j'aime tester et tout ça et tout ça. Bref, j'ai reçu de nouveau, et ça je vous avais dit dans ma dernière vidéo, que j'allais recevoir de nouveaux ongles de la marque Betty Cora. Donc vous avez vu dans la partie en speed juste avant que je posais de nouveau les ongles, donc ce sont des press and nails. Je vous ai fait une autre vidéo dans le vlog il y a trois semaines, je vous avais remontré comment je l'ai posé, je vous avais tout réexpliqué, donc je vous renverrai vers ce vlog là, mais là voilà, je vous ai montré en speed, c'est vraiment, vraiment ultra méga rapide. Donc Betty Cora, c'est une marque qui fait des press and nails. Des press and nails, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des faux ongles comme ça que vous venez avec une petite pastille collante clipper sur vos ongles, et après ça dure, si vous le mettez de la façon dont je vous avais montré et tout ça, ça dure des semaines. Moi, chez moi, ça ne bouge pas. Et ce qui est super top avec ces press and nails, c'est que ça n'abîme pas du tout les ongles. Et ça, c'est cool parce que moi, j'ai mes ongles qui sont dans un état catastrophique. J'essaye de les rattraper là. Et la semaine dernière, justement, je vous avais dit, ouais, c'est fini. Pour l'instant, je mets plus rien en attendant de recevoir mes nouveaux press and nails. Donc, j'ai refait une sélection là. Vous avez aussi une réduction que je vous remettrai juste ici. Donc, vous avez pu voir ce que j'ai mis. Ce sont les Pikachu. Voilà, il y a toute une sélection Pokémon sur le site de Betty Cora. J'ai craqué. Je me suis dit non, mais ça c'est trop. Je suis pas la plus grande fan de Pokémon, mais quand mon neveu va voir ça, je l'ai déjà prévenu qu'il y avait des nouveaux ongles qui allaient arriver, Pikachu. Et du coup, j'en ai repris d'autres. Voilà, donc même pour les enlever, hein, ça s'enlève facilement. Il y a... Enfin, je veux dire, ça n'abîme pas du tout l'ongle et tout. Enfin, bref. Et vous pouvez même après les réutiliser parce que les petites pastilles, on n'utilise pas tout d'un coup. Et puis, les vendent aussi sur le site de Betty Cora à l'unité. Enfin, je vous ai pas obligé de prendre un kit pour avoir les pastilles. Voilà, donc si vous les enlevez bien, après vous les remettez dans la boîte et puis vous pouvez les réutiliser. Bref, je vais vous montrer tous les press and nails que j'ai pris. J'ai pris ce modèle là. Bon, il y en a qui se sont barrés. Ils doivent se balader dans la boîte. Donc j'ai pris ça. Ah oui, ils sont derrière là, je vois. Ils se sont baladés. J'ai pris des colorés. Hein. Franchement, là pour le printemps, j'ai pris des modèles assez colorés. Donc j'aime beaucoup. J'adore. Franchement, c'est vraiment le feu parce que c'est vraiment une façon d'avoir des trop beaux ongles avec du nail art dessus. Vous avez plusieurs tailles, plusieurs longueurs et tout. Et dans toutes les boîtes, il y a 24 pièces. Donc c'est adaptable à chaque ongle, on va dire. Et puis ça n'abîme vraiment pas les ongles, donc c'est ça. Bref, j'ai pris aussi cette forme-là avec un espèce d'arc-en-ciel comme ça. Ça fait à moitié pan, fleur, arc-en-ciel. Et j'en ai pris trois autres. J'ai pris, alors je sais plus si c'était ceux-là que j'avais pris ou pas. Il me semble que je les avais déjà pris ceux-là, mais pas tout à fait les mêmes. J'ai pris avec les étoiles et les lunes comme ça. J'ai pris, alors ceux-là j'ai craqué. J'ai pensé direct à mon petit Nico de la chaîne Les Addictions by N. L'œil comme ça. Il y en a plusieurs avec des yeux. J'ai hésité entre... Après, je dis non, je vais en prendre qu'un avec des yeux. Donc voilà, ça j'adore. Ça aurait fait trop bien aujourd'hui avec ma tenue. Et la dernière fois, j'avais pris les pop art rouges et tout. Il y en a qui m'ont dit, ouais, ça fait sorcière et tout, mais... Putain, je te souhaite plein de bonheur. Et du coup, j'ai repris en bleu. Ils ont sorti des nouveaux, c'est... un effet pop art comme ça, et j'ai repris en bleu. Je sais pas ce que j'ai avec le bleu, donc voilà, j'avais envie de tester ça. Ça arrive dans des enveloppes bulles comme ça, c'est hyper bien protégé. C'est Colissimo qui me livre. Bah, tout ce que je vais vous montrer, c'est Colissimo qui me livre, hein. Donc voilà, Betty Cora, pareil, je vous remets le lien en barre d'infos avec mon code de promo. J'arrête pas de me gratter le nez parce que il y a du monde là-dedans. Et on va parler des parfums Nox. Je vais me remettre sur mon mail parce que ça... comment dire? Hop, alors attendez. Nox fête ses 4 ans. Et donc je me dis que depuis le début,
Je travaille avec eux, c'est un truc de dingue. Knox, c'est un site espagnol qui vend des parfums d'équivalence aux grandes marques. C'est pas de la contrefaçon, c'est pas des trucs comme ça. C'est vraiment des parfums d'équivalence. Et ils ont vraiment toute un panel de parfums pour l'homme, la femme. Vous avez des parfums également mixtes. J'adore. Je commande beaucoup, beaucoup sur ce site, vous savez. Et je reçois pas mal de choses. Et je suis tellement, tellement contente. Donc là, j'ai repris deux parfums, mais également des bijoux. Parce que oui, ils ont des bijoux. Alors, je vais vous expliquer ce qu'ils me disent. Donc, quand vous allez voir cette vidéo, il vous restera juste une journée. Enfin, vous aurez 24 heures, on va dire, une journée quoi, pour pouvoir profiter de l'offre. En attendant, je vous partagerai ça sur les réseaux. Donc, ils sortent un nouveau concept qui s'appelle la Jewelry Knox, les bijoux Knox, tout simplement. Ce sont des bijoux qui sont faits en acier inoxydable pour les femmes et pour les hommes, à prix abordable, parce que oui, forcément. Ce sont des parfums qui sont à prix abordable, déjà de ouf. C'est des 50 ml, je sais jamais. Des autres parfums et tout, enfin bref. À prix vraiment rikiki, donc ça vaut trop le coup. Si par exemple vous aimez Mon Paris ou je sais pas, la petite robe noire, et bah vous le retrouvez chez Knox 3 fois, 4 fois, 5 fois moins cher. Et donc là ils ont lancé des bijoux qui sont aussi du coup à prix attractif. Je vais vous montrer, j'en ai reçu. Et qui sont en acier inoxydable. Et vous avez mon code de réduction. Donc mon code de réduction Knox est effectivement un code affilié. Lorsque vous commandez avec mon code, je reçois une petite commission. Donc merci à tous ceux qui passent commande avec mon code. Maintenant il passe à moins 25% pour le 4e anniversaire. Et lorsque vous passez commande avec mon code, vous recevez un bracelet d'une valeur de 14,90€ en acier inoxydable que je vais vous présenter juste ici. Donc voilà, j'ai fini de lire ce qu'il y avait sur mon téléphone. Donc je vais vous présenter les parfums, mais d'abord je vais vous présenter les bijoux. Donc le petit bracelet que vous recevez, c'est celui-ci. Voilà, voilà, il est vraiment trop chouki. C'est pas mon délire, mais ça c'est le délire de mes nièces, de mes copines et tout. Donc ça, même vous, quand vous commandez des fois sur mon Vinted et tout, j'aime bien vous glisser des trucs comme ça. Donc je le mets de côté et j'ai choisi deux bagues. Oui, oui, deux. Donc ils ont mis ça dans des petites pochettes et c'est super, méga, ultra bien fait. Alors attendez, je vais enlever mon attirail. J'ai pris déjà cette bague-là. Hop. J'adore parce qu'elle est toute fine, donc en accumulation c'est super. Et regardez derrière, elle est adaptable, vous pouvez la régler du coup, vous voyez. Donc ça c'est cool de pouvoir régler ses bijoux. Et j'ai pris également cette bague là, hop, hop, on va aussi la régler. Donc moi j'aime bien régler parce que du coup je peux la mettre partout. Donc c'est cette petite, c'est une petite pierre noire comme ça. Et pareil, vous voyez, vous pouvez venir régler tout ça. Donc je suis ravie, je suis trop contente. Et du coup, je vais vous présenter les parfums que j'ai pris. Alors je vais me remettre sur le site de Knox. On va y arriver, Knox Parfum. Alors sur le site de Knox, en fait, vous allez tout simplement dans le menu et vous allez vous cliquer sur équivalence. Et ça vous donne la liste des parfums, voilà. Ou si vous avez un parfum, par exemple, si vous recherchez un parfum Lolita Lempicka, hop, vous tapez dans la barre de recherche Lolita Lempicka, ça va vous sortir le numéro chez Knox, voilà. Donc moi j'ai pris des nouveautés. Il me semble que c'était que dans les parfums mixtes. J'ai pris le 785. Hop, alors attendez, parce que j'ai laissé Lolita, donc je vais rechercher 785, à quoi ça correspond? Ah oui, je me souviens, la dernière fois je vous avais présenté les parfums de un parfum de chez eux, de la marque Kilian, enfin un équivalent de la marque Kilian, et j'avais bien aimé, et je me suis dit, mais tout le monde me dit du bien de cette marque-là, et chez Knox ils en ont deux, donc je me suis dit, je vais reprendre l'autre qu'ils ont, et c'est le I Don't Need a Prince by My Side. To be. Et le nom est
est assez long. Donc c'est celui-ci et à chaque fois on vous dit combien, enfin ce qu'il y a dedans et tout. Et là franchement, donc c'est un parfum unisexe pour hommes et femmes. Gourmand et épicé évoque une gourmandise où, où le thé vert révélé d'une pointe de gingembre. Avis au prince charmant, petite princesse n'attendra pas sagement à la maison que vous la rappeliez. Et oui, effectivement. La note de tête est citron, la note de cœur, enfin les notes de cœur sont le thé vert, le gingembre, la pêche, l'édione, le jasmin, la pomme. Et les notes de fond sont la guimauve, la vanille et le benjoin. À chaque fois on parle de benjoin et je sais toujours pas ce que c'est. Donc hop, ça sent super bon, c'est très sucré. Enfin il y a un fond sucré. Enfin, c'est quand même, c'est sucré, mais c'est pareil que l'autre, ça me rappelle vraiment quelque chose, ces parfums-là. Enfin bref, ça se présente comme ça, ici vous avez le chiffre, moi je vais mettre rajouter une étiquette avec ce à quoi ça correspond. Et comme je vous ai dit, on est sur du combien de millilitres? Du 50 millilitres, donc j'ai pas mis de parfum aujourd'hui. Mais les parfums qu'il y a me rappellent toujours une odeur que je connais déjà. C'est super, j'adore. Mais effectivement, ouais, c'est unisexe, mais... très gourmand quand même. Et le deuxième que j'ai pris, c'est le 794. Alors attendez, je vais rechercher 794. Pareil, c'est une nouveauté que je connaissais pas du tout, de la marque Frédéric Malle ou Mallet, et c'est le Dries Van Noten. Voilà, je vais vous le montrer après. Et c'est dans les mêmes, dans la même gamme, on va dire, que au niveau des odeurs que le Kilian. Donc c'est une eau de parfum pour femmes et hommes, donc encore une fois unisexe. La magie de ce parfum réside dans une recette faite de détails pour obtenir quelque chose de surprenant et d'unique. Ils aiment bien hein, broder. Hein. Il s'ouvre sur un cœur exotique de bois de santal qui lui confère douceur et caractère. À cela s'ajoute un cocktail de sucre, de vanille, de baume du Pérou. Le baume du Pérou, ok. Et de jasmin qui évoque des délicieuses odeurs de pâtisserie. La touche contemporaine est apportée par la fraîcheur du citron et de la bergamote. Et pour finir, un accord de musc blanc complète le parfum en l'équilibrant et en permettant de se fondre parfaitement dans votre peau. Les notes de tête sont de la pêche et de l'aldéhyde. Aldéhyde, je vais y arriver. Les notes de cœur sont de la fleur blanche, jasmin et violette. Et les notes de fond sont une boîte santal et de la mousse. Voilà, pareil si vous aimez un type de parfum, puisse boisé, tout ça, vous pouvez également rechercher par type de parfum. Donc, bah écoutez, on est content. Et là, c'est le même type de senteur, mais je trouve que celui-ci est beaucoup plus musqué que l'autre qui est beaucoup plus sucré, on va dire ça comme ça. Mais j'aime bien aussi. Donc voilà pour ma sélection de parfums chez Nox. Je suis très très contente. Donc là, entre les ongles, les bijoux, les parfums, je suis refaite. Donc voilà. Pouf. Je vous ai dit que ça allait prendre un peu de temps, mais il fallait que je vous présente ces petites nouveautés. Donc pour Nox, les 4 ans, là, c'est jusqu'à dimanche. Hein, donc c'est pour ça que je vous remettrai les dates... en barre d'infos et toutes les infos que vous cherchez, les codes promo, de toute façon je vous remets tout dans la barre d'infos. Et en attendant, je vais faire un post sur Insta pour partager ça. Et voilà, elle est pas belle la vie. Donc programme du jour, et bah là comme je vous ai dit, je me suis préparée, tout ça. Je vais enfin tourner ma vidéo haul Primark et MAC, parce que le sac est toujours là. Ce week-end, j'ai pas eu le temps, j'aurais pu avoir le temps, mais... comment vous dire? Ce week-end, déjà vendredi soir, j'ai eu du monde. Je me suis couchée à 4h du matin. Mais j'étais fatiguée. Donc samedi, j'ai fait que de comater. Pourtant, je me suis réveillée à 8h le samedi. Mais après, j'ai comaté. J'ai terminé la nouvelle saison de LOL, etc. etc. là, sur le Prime. Samedi, j'étais fatiguée. Sachant que samedi soir, j'avais une réunion coquine, entre guillemets. Chez ma cousine, donc j'y suis allée, je suis rentrée, il était 1h30 le temps que je me couche et tout, il était 2h, donc j'étais claquée, donc voilà, ce dimanche j'étais encore au ralenti, sachant que je me suis encore levée, il était 7h30, un truc comme ça, donc j'étais aussi au ralenti, donc dimanche j'ai rien foutu franchement, donc je me voyais pas tourner
alors que j'étais en mode déchet nucléaire, clairement. Donc voilà. Et mais vendredi soir, j'ai testé les pizzas de Mister V, là, les pizzas de la mama. Je vous montrerai tout à l'heure. J'ai gardé la boîte. j'ai testé celle au 6 fromages. C'était trop bon. J'en ai une autre dans mon congèle, la végétarienne, là. Et voilà. Mais là, j'ai hyper méga mal au ventre depuis samedi. J'ai hyper méga mal au ventre. Donc ce midi, ça va être du riz. Mais avant d'aller faire mon riz et tout, parce que là il va déjà être midi, ouais il est midi 3, je vais aller tourner ma vidéo haul, faire la publication Insta pour Nox et Anna Louisa aussi par la même occasion. Et Betty Cora aussi, tant qu'à faire, voilà, je vais faire des petites photos pour tout le monde, ça va être trop mignon. Et puis voilà. La journée sera bien entamée parce qu'après il va falloir que je fasse le montage. Nouvelle journée. On est mardi, il est 11h30, un truc comme ça. Je viens de finir de tout ranger. Je viens de finir de tourner ma vidéo crash test make-up Primark. Bon, vous voyez, mais vous en saurez plus en vidéo. Comment ça va, vous? Parce que moi, ça va pas. Je suis malade depuis hier. Déjà, dimanche, j'étais pas... Je me sentais que j'étais pas bien. Et là, j'ai juste... le nez pris, j'ai pas dormi de la nuit et la gorge qui gratte et j'ai toujours extrêmement mal au ventre. Depuis hier, mon alimentation, c'est le Smecta. Je vous ai pas montré la parure de la semaine, c'est une parure comme ça que j'ai vue chez Leclerc. Elle est aussi réversible comme ceci. Bon, ma tenue par contre, vous voyez, c'est leggings, vous savez, les leggings fuseau là et petit pull comme ça. Qui est sorti dans ma vidéo Chine, qui est sorti aujourd'hui, je vous le présente. Et voilà, pouf, je suis claquette, du coup j'ai pas dormi de la nuit, vraiment. Et quand vous dormez pas, il n'y a rien à la télé, franchement les gens là de la télé, pensez à ceux qui dorment pas la nuit, parce que franchement c'était tout pourri, je me suis un petit peu ennuyée, hein, quel teint. Donc voilà, c'était, même si j'arrête pas d'éternuer, j'ai le nez qui brûle là. Et je renifle, j'ai quand même tourné ma vidéo make-up, comme ça c'est fait, parce que je voulais pas ne pas tourner aujourd'hui, enfin c'était dans mon planning, il fallait que je tourne aujourd'hui cette vidéo. Donc voilà, programme de la journée, ça va être de la montée, bien sûr. Et voilà, je vous ai pas reparlé de... Non, j'ai plus de batterie. De mon henné, bah écoutez, je suis plutôt contente. Alors, le henné noir que j'ai fait, il faut savoir que ça va pas me teinter les cheveux. Très légèrement, mais si vous voulez vraiment un noir noir, il faut d'abord appliquer un henné cuivré sur tous vos cheveux et ensuite refaire un henné noir par-dessus, ça va accrocher. Là moi j'ai vraiment fait ça pour pouvoir protéger, enfin nourrir mes cheveux et enfin voilà, de quand je faisais du henné, mes cheveux étaient en bonne santé et tout. Là ils sont bien, il n'y a pas de souci, mais là je les ai vraiment renforcés et tout, je les sens plus épais. Et voilà, enfin bref, du coup voilà. Et comme j'ai déjà les cheveux foncés, on n'a pas trop vu de diff. Après peut-être que si j'avais eu les cheveux très clairs, on aurait vu un peu plus le noir, je sais pas. Enfin bref, de toute façon c'était vraiment pas pour les teinter, parce que du coup ça n'a pas camouflé mes cheveux blancs et tout ça, parce qu'il aurait fallu que je fasse un cuivré en dessous pour pouvoir camoufler tout ça, mais c'est pas mon délire. Et merci beaucoup à tous ceux qui m'ont demandé comment s'était passé mon scanner. Donc vendredi j'avais rendez-vous à l'hôpital pour mon scan abdominaux, pelvien, je sais pas quoi, enfin bref. J'ai failli pas passer ce scan, franchement. Je vous explique ma péripétie, parce que sinon c'est pas drôle. Mais je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. En fait, moi, j'ai un gros souci avec mes veines. Mais ça, il y en a beaucoup, hein. Je ne suis pas la seule. Je suis impeccable. Il faut savoir que ma mère est infirmière depuis Jérusalem, depuis Mathusalem. Je l'ai toujours connue infirmière. Donc, ma mère est infirmière et il faut savoir, c'est pas pour me vanter, c'est la meilleure piqueuse du monde. Voilà, quand elle travaillait à l'hôpital, quand il y avait un souci, qu'ils n'arrivaient pas à piquer, ils appelaient ma mère et tout, même pour les bébés et tout ça. Bref, ma mère, elle sait y faire, elle fait pas mal et tout ça, moi elle m'a déjà piqué plein de fois, pas de souci. Mais quand je vais à l'hôpital, quand je me fais opérer, ils arrivent jamais, mais jamais à me piquer. C'est pour vous dire, une des nombreuses fois où j'ai fait mes petits séjours à l'hôpital, l'infirmière essayait de me piquer, ma mère était là,
Et l'infirmière a paniqué, elle n'y arrivait pas. C'est ma mère qui a dû reprendre le relais, alors qu'elle venait me visiter. Et c'est pour vous dire, tellement j'étais impeccable, elle n'arrivait pas non plus. Donc ils ont dû faire venir un médecin anesthésiste. Et ça a fini en voie centrale. Vous savez, généralement, moi, on me pique, on me pose une voie centrale, on fait un petit point, et puis voilà, comme ça, je suis tranquille. Voilà, quand il y a des OP et tout. Mais bon, pour les prises de sang, les petits séjours, voilà, on me pique et tout. Sur les bras, on va pas me faire une voie centrale. Et pareil pour un scan, on va pas me faire une voie centrale. Et donc, ma mère, elle avait regardé, et c'est vrai que j'ai une veine dans le creux du bras, là, dans le bras gauche. Elle est pas top, mais elle est, ça va. Et arrivée au scan, l'infirmière, c'est pas des infirmières au scan, ce sont des manipulateurs, mais qui ont appris à poser des perfs. Elle voulait absolument mon bras droit. Je lui ai dit, bras gauche, pas bras droit. Elle voulait pas. Bon, sachant que ça n'avait aucun intérêt. Donc elle met le truc, elle dit, oh là là, j'y arrive pas et tout. Et j'ai dit, je vous ai dit, j'étais gentille, hein, j'ai pas été hautaine et tout, mais je lui ai dit, je veux pas vous apprendre votre métier, mais c'est pas, ça sert à rien. Enlever, ça sert à rien. Elle dit non, non, et puis elle forçait, résultat, j'ai un petit bleu. Et elle n'y arrivait pas. Et sa collègue est arrivée en disant, mais tu vois bien qu'elle a roulé, regarde, il y a une bosse et tout. Donc elle se trouvait un peu con, donc sa collègue a essayé de l'autre côté. Là où je lui ai dit, elle a dit, ah oui, effectivement. Sauf qu'elles avaient encore beaucoup de mal, parce que la dernière fois, quand j'étais endormie, ils m'ont perfusé ici, donc peut-être que la veine ne s'est pas encore remise, mais bon. Si, elle était là, mais elle a eu quand même beaucoup de mal à la trouver. Donc à chaque fois, on passe un quart d'heure à me trouver des veines. Donc j'ai dit, écoutez, on arrête tout, je m'en vais, c'est pas grave, parce que là, ça commence à me saouler. Et après, quand celle qui m'a piqué au bras droit, quand elle a vu, voilà, franchement, là, je l'ai regardée, j'ai dit, je vous l'avais dit. J'ai fait la meuf, comme je lui ai dit, écoutez, je me connais, je dis, je vais pas vous apprendre votre métier, c'est sûr, mais je me connais. Elle me dit, effectivement, vous aviez raison. Je dis, ah oui, je le sais. Vous savez le nombre de fois où j'ai été hospitalisée, où j'étais endormie, où j'ai été opérée, j'ai des milliards de fois. Je les compte même plus, quoi, je saurais même pas vous dire. Bref, du coup, ça a été fait en speed et j'ai eu mal, enfin j'ai un peu mal en fait, le produit a dû passer à côté aussi et je suis un peu gonflée. Enfin bref, c'est pas grave, ce sont des péripéties qui arrivent à pas mal d'entre nous. Donc voilà pour le scan, bah écoutez, j'ai pas les résultats, j'ai juste les images et ils ont dit qu'ils allaient m'envoyer le compte rendu par courrier, voilà, dans la semaine, sous une semaine. Donc on verra bien. Je voulais vous montrer aussi, et après je vous laisse là parce que j'ai du boulot et que je vous avoue, là je commence à avoir un petit peu mal au ventre. Qu'est-ce que c'est glamour. Je vous avais parlé, bah, d'ailleurs hier j'ai fait des... Le smecta is here. Hier j'ai fait des photos pour Instagram que j'avais pas posté, les fameuses pizzas. Les pizzas de la mama du youtubeur influenceur Mr. V. Il a sorti des pizzas comme ça, on les trouve chez Carrefour et elles sont trop bonnes, elles sont hyper épaisses, la croûte se mange, la croûte est trop bonne, enfin la pâte et tout, elle est garnie du début à la fin, donc moi j'ai pris la vegetarino qui est avec plein de légumes et tout, et la 6 fromage, fromaggio, la 6 fromaggio. Et une tuerie, elles sont trop bonnes, c'est pas des pizzas de radin et vous ne jetez pas la croûte, hein. C'est vraiment vous mangez de tout. Donc j'avais gardé les boîtes pour vous montrer et voilà, je suis contente qu'il ait fait des pizzas pour les végétariens justement. Et sinon apparemment celle au poulet elle serait excellente, mais bon je pourrais pas vous dire. Et voilà, bref, je vais aller me m'atteler au montage. Et voilà, la journée... hier, j'ai fini vers 17h. C'était pas mal, c'était pas mal. J'aime bien quand je fais des journées comme ça avec des horaires de bureau. Mais je comatais. Hier, je commençais à me racler la gorge, à éternuer. Et là, c'est pareil, dans le montage que je viens de faire, enfin, dans le tournage que je viens de faire, je me suis mouchée et j'ai reniflé 3000 fois. Donc, ça va être que des cuts à faire. Et vous avez vu, j'ai remis les petites boucles d'oreilles Anna Luisa avec la bague. Et j'adore. Nouvelle journée.
attendez, il n'y a pas un... Ah si, il y avait un petit zoom hein, quand même. On est jeudi, on n'est pas mercredi, j'ai trop de mal. Je ne vous ai pas pris hier parce que, comme vous pouvez le voir à ma tête, et encore ça va beaucoup mieux, hier j'étais dans le mal. J'étais couchée, je vous avais dit que je commençais à avoir un début de rhume et tout, et déjà je vous ai laissé mardi, ouais, je vous ai laissé mardi après-midi, mon oncle mon oncle est médecin et m'a fait une ordonnance parce que ça allait pas du tout en fait. Je vous avais dit que j'avais hyper mal au ventre. La meuf va encore se plaindre, hein, je vous préviens. J'avais trop mal au ventre, mais genre mal au ventre comme quand tu te prépares pour aller faire une coloscopie quoi. Et donc du coup il m'a fait une ordonnance. Donc je suis partie chercher une ordonnance, mais ça a été limite pour aller jusqu'à la pharmacie. Bref, et j'étais pas bien déjà, j'avais des sueurs, enfin des suées plutôt, des sueurs froides, et j'avais trop mal à la gorge, j'étais enrhumée et tout, je me dis mince, j'espère que j'ai pas le Covid et tout, mais bon, j'ai pas le Covid. Donc en gros, rhino et gastro quoi. Et je fais non, c'est pas possible. Donc hier, j'ai dormi toute la journée, les médicaments ils m'ont soulagée de ouf, et en fait, c'est pas une gastro que j'ai eue, c'est une réaction au produit de contraste pour le scanner en fait, je l'ai évacué et je savais pas qu'on pouvait alors que c'était sous perf encore l'autre pour la colo, je l'ai pendant 3 semaines je l'ai évacué, ça m'a détraqué tellement le ventre et là bah pareil, je savais pas, je pensais pas que le produit de contraste qu'on t'injectait en perf du coup tu pouvais aussi le ressortir comme ça. Donc du coup bah voilà, et puis le rhume et tout ça va beaucoup mieux. Bon, j'ai le nez tout pris, tout abîmé là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Du coup hier, franchement, j'ai dormi, je vous ai pas repris. Et aujourd'hui, je suis allée chez ma mère. Du coup, elle avait besoin de faire des courses et tout ça, donc on est parti chez Action, on est parti chez Babou, on est parti à Cora, on est parti à Leclerc, on est parti chez Grand Frais. Je suis contente chez Grand Frais, ils ont sorti le melon et tout ça et tout ça. Alors ma mère me dit peut-être pas pour ton ventre le melon. J'ai dit je m'en fous. Je peux avoir mal au ventre si c'est un grave melon. J'ai mangé parce que là il est 17h27. J'ai pris mon petit 4h chez ma mère avec le melon. J'ai déjà tapé dedans. Enfin bref, je vous ai pas repris chez ma mère parce que c'était un petit peu la course et tout. Et je vous avouerai que je suis claquée de chaussettes, mais bon ça se voit. Comme je disais à ma mère, il y a quelques mois de ça, je n'avais pas de cernes. Je ne suis pas quelqu'un de cerné. Et là, j'ai des cernes mauves, là, rose mauve. Bref, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté chez Action et tout. C'est des petites babioles, hein, pas de... Il n'y a rien. Déjà, à Leclerc, il y avait des promos sur la soupline. J'ai pris ces deux-là parce que je ne les connaissais pas. Et genre, le deuxième... Il passait, ça me gratte le nez, hein, je suis désolée. Le deuxième, il passait à moins 80%. Donc ça faisait 5,94€ les deux grandes bouteilles. Donc c'est cool, sachant que quand vous l'achetez, c'est à presque 5€ et quelques. Enfin bref. Du coup, j'ai pris deux parfums que je connaissais pas. C'est des nouveautés, je crois. J'ai pris Fraîcheur de Gardenia. J'allais le sentir pour vous le faire sentir, mais ça sert à rien. Je vous sens, mais vous, vous sentez pas. Donc j'ai pris celui-ci et j'ai pris également Fraîcheur de Rose. Mais là franchement j'étais étonnée, Fraîcheur de Rose ça sent pas la rose. Moi j'aime beaucoup hein, la rose hein. Parce que ma mère adore les odeurs de pivoine, de rose et tout ça, c'est son dada. Bon elle porterait pas ça en parfum mais elle adore ça. Ma mère elle est très parfum agrumelle par contre. Mais à chaque fois que je chante des trucs roses comme ça, ça me fait penser à ma mère. Elle adore les fleurs et tout, bon bref. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Et donc ça me fait penser à elle. Et ça sent bon, ça sent pas la rose. On dirait que c'est frais, sucré. Je sais pas comment vous expliquer. Donc j'ai pris ça chez Leclerc. Après chez BM, j'ai repris ma pâte à laver, là, ma crème nettoyante. C'est comme le Cif, sauf que le Cif, il y a de la Javel dedans. Donc c'est un peu plus abrasif. Enfin, ça décape mieux si vous avez des taches, par exemple, dans votre baignoire et tout. Quand j'ai fait mon aîné, j'ai défoncé ma baignoire, j'ai mis du Cif. Parce que ça, du coup, ça enlevait pas tout le jaune qu'il y avait dans ma baignoire. Enfin, bref. De chez Fabulosa, j'ai repris celle-ci en... Je suis désolée, en plus, j'ai le hockey, donc tout va bien. En odeur goutte d'arc-en-ciel. Je vous laisse vous débrouiller avec ça.
Et c'est tout. Après, ouais, non, chez BM, j'ai pris aussi des Happy Hippo. Ils en ont aussi chez Action. Pourquoi j'ai pas pris chez Action? Bah, parce que je suis partie chez BM avant. Après, je sais plus. Enfin, bref. Et le reste, c'est que Action. Il y a de la bouffe, il y a de tout. On va vous montrer la bouffe, comme ça, c'est fait. J'en avais trop envie, cherchez pas. Alors, petite fun fact. Chez nous, quand on est malade, quand je dis chez nous, c'est ma mère, ma soeur et moi. Quand on est malade, on déglingue. On déglingue, on a faim. C'est un truc de malade. Là, pendant 3 jours, enfin, je suis malade depuis dimanche. Enfin, le ventre, c'est depuis vendredi soir, pour tout vous dire. Mais j'ai faim, j'ai faim. Je me lèverai la nuit pour manger. Faut pas déconner. Bref, chez Action, j'ai repris des chips, les hashtags comme ça. Là. Je les aime bien, ceux-là. Voilà. J'ai pris... Attendez, je vais aller chercher les trucs là-bas. Ouais, je vais vous les présenter dans chaque haul Action, hein, franchement. Et les bonbons tubes, ceux que j'ai achetés il y a 2-3 semaines, je ne les ai même pas ouverts. Ils sont encore là-bas. Bref, j'ai repris aussi... Ils avaient ressorti les sauces moutarde et miel, là, les sauces salade, moutarde et miel. Donc j'en ai pris 2. J'ai pris aussi des petites canettes comme ça, Chupa Chups à la mangue. Ouais, à la mangue. J'en ai pris une autre à l'orange. Je me suis dit, oui, bah, ça va faire une boisson à l'orange, quoi. Et j'ai pris une boisson LOL, Lollipop Cherry. Donc, sucette à la cerise. Waouh! En fait, je suis passée devant le rayon et je pense que j'avais soif. C'est pour ça. Ensuite, chez Action, ça y est, c'est fini pour tout ce qui est nourriture, etc. J'ai pris un pchipchit comme ça, Airwick. C'est pareil, je vous en présente à chaque fois. J'ai pris cocktail d'agrumes tropicaux. Ça sent le... Ça sent le sirop pour la toux. Je peux vous dire qu'en ce moment, je suis à fond dans ces trucs-là parce que j'étais gavée de sirop, de... Non, ça sent l'amoxicilline, le sachet d'amoxicilline, l'antibiotique. Bref, j'ai pas pris d'antibio là. J'ai repris du déo. Vu qu'il n'y a plus le Dove original, j'ai pris ça pour tester. J'ai pris le Nivea pur et sensitif parce que je suis pure et sensible. Et j'ai pris le Ushuaïa à la fleur d'Alain. Vous savez en plus que j'aime pas les odeurs sous les aisselles, mais c'est en l'occurrence c'est pour les gens qui transpirent et qui ont des odeurs. Ne mélangez pas. Bref, j'ai trouvé ça. Écoutez, ça sentait trop bon. C'est du sel de bain de la marque Beauty Depp. Celle-ci c'est à la pineapple, c'est ananas. Hein. Alors celle-ci, elle sent le chimique, honnêtement, parce que c'est ouvert. Vous pouvez, y a pas de. Ça sent bon, mais ça sent pas l'ananas. Mais ça sent bon, mais ça sent pas l'ananas. J'irais plus, ça sent le tropical. Mais alors, de la marque Salt and Soap, j'ai pris les Yellow Green. Ça, par contre, ça sent l'ananas. Ça, c'est un truc de dingue. Peut-être ils ont inversé les étiquettes. Non, ça sent pas l'ananas. Ça sent le monoï. Voilà, c'est ça. Dans le magasin, j'ai fait... Je pense que tout le monde m'a regardé quand j'ai fait... Je l'ai senti, oui, ce que j'ai senti en magasin. Ça sent trop bon, ça sent le monoï. Et puis là, maintenant, c'est le printemps. Oui, maintenant, c'est le printemps. D'ailleurs, rien à voir, mais bon. Bonne fête à tous mes amis musulmans. Enfin, même vous, hein, je dis mes amis, mais c'est en général. À tous les musulmans qui regarderont ma vidéo. Donc, bon mois du ramadan à vous. Et puis, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Et plein de bonnes choses pour vous. Voilà, je tenais à le faire, parce que je le dis, je vous souhaite ça tous les ans. Tout comme je souhaite Halloween, tout comme je souhaite Noël, le Nouvel An, enfin bref. J'ai toujours une pensée pour tout le monde. Ça se voit que je suis fatiguée, non? Enfin bref, bonne fête à tous les musulmans qui me regarderont. Et donc là, en fait, c'est le printemps pour vous dire, voilà, ça y est, enfin c'est le printemps. Et on commence à avoir du soleil et tout. Et moi, quand il y a le soleil, bim, direct, ça me fait penser monoï, etc., etc. Bref, c'est tout. Et j'ai trouvé ça. J'arrête pas de le voir passer sur TikTok. C'est des boobs tape. Par contre, je l'ai pris en teinte caramel parce qu'il y avait plus d'autres. Et en fait, c'est des. Il y avait une faute. Ah voilà. En fait, c'est des espèces de bandes. Je sais pas si c'est autocollant ou pas.
pour tenir les tétés. Quand, par exemple, vous voulez mettre un truc... et j'en avais vu sur Chine. Et à chaque fois, je me suis dit, je fais quoi? Je commande ou je commande pas? Et puis en partenariat, je me dis non, parce que... je vais pas demander ça en partenariat, je dis je préfère. C'était pas cher, hein. Mais je me suis dit, oh... Et puis là, c'était en magasin. Je sais même pas combien ça coûte, honnêtement, je m'en souviens plus. Vous avez des caches tétées avec. Des petits caches tétées, bon. Ça, c'est cool. Et ensuite, vous avez une bande comme ça. Et il y avait plusieurs couleurs, il y avait noir, il y avait marron, il y avait couleur chair, mais moi il n'y avait pas couleur chair. Hein. Donc j'ai pris marron, voilà, vous savez tout. Donc je montrais ça à ma mère, je dis non mais imagine je veux mettre une petite robe bretelle, enfin sans bretelle justement. Donc on va tester, je testerai et je vous redirai ça. Donc voilà, pour mes achats. Demain je vais rien faire de spécial, donc pareil je vais clôturer le vlog là. Même si je vous ai pas tourné hier et tout, mais de toute façon demain ça va être journée montage. Chez ma mère pareil, j'ai récupéré un colis, donc je pense que demain je vais tourner. Et puis après ça va déjà être le week-end, c'est un truc de dingue. J'ai toujours pas eu les résultats de mon scanner, mais ils ont dit une semaine, donc je l'ai passé vendredi dernier. Donc ouais, aujourd'hui on est jeudi, bon ça devrait pas tarder je pense. Et là il va pleuvoir les gars. Le ciel, il est en train de nous tomber dessus, peu cher. Donc voilà, les semaines se suivent et se ressemblent, je trouve. Et comme on disait la dernière fois, dans 3 mois, c'est déjà la fin de l'école, quoi. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue, sachant qu'il va y avoir les vacances de Pâques. Ça passe tellement, tellement, tellement vite. C'est pareil, ce week-end, je voulais aller au salon du tatouage à Amiens. On avait dit avec Marjo qu'on se le ferait et tout. Et je peux pas, je suis complètement détraquée du bide. Voilà, ça va mieux depuis que mon oncle il m'a donné des médicaments. Mais je suis dégoûtée. Enfin, j'avais dit à Marjo, là je suis pas trop OP, je la sens pas trop. Donc ne prévois pas d'y aller avec moi. Mais je suis un peu dégoûtée, je vous avouerai. Parce que j'ai jamais fait de salon du tatouage. Je sais pas si vous en avez déjà fait. Et en fait, il y a plusieurs tatoueurs qui sont là. Vous pouvez également faire... des flashs sur place, les tattoos flash en fait c'est des tattoos, des petits tattoos que les tatoueurs ont déjà à disposition. C'est pas vous qui venez avec votre projet, c'est eux qui ont déjà ça et puis ils vous tatouent vite fait. Généralement c'est des petites pièces quoi, c'est pas des gros trucs. Quoi qu'il y en a qui y vont pour se faire des grosses pièces et puis c'est l'occasion vraiment de rencontrer des tatoueurs, de voir leur travail et tout. Et je vous avouerai que sur TikTok, sur Instagram, je suis pas mal de... en train de vivre sa meilleure vie derrière. Je suis pas mal de tatoueurs. Et j'en ai vu avec des trucs, puis j'adore ça, vous savez, moi, si je pouvais, franchement, je me ferais tatouer. En fait, j'avais très, très envie de me faire un... Ça va, mon cœur? Elle est en train de jouer avec sa babale. J'avais très envie de me faire un underboobs, un beau tatouage, là, entre la poitrine, underboobs. Mais comme j'ai des gros soucis, là, avec mon estomac, je sais pas si... Si à plus tard ils devront opérer ou pas, donc pour l'instant je touche pas parce que c'est pile poil là. Et la dernière fois pareil, quand j'avais fait ma dernière grosse OP, j'ai mon foie qui avait éclaté, du coup ils avaient mis un drain juste là, donc j'ai une petite ouverture là entre les tétés. Et du coup faudrait que je vois s'ils arriveraient à remanier tout ça et tout. Et c'est vrai que moi le tatouage, je me confie à vous, c'est parce que je suis fatiguée, hein. Le tatouage pour moi c'est... comme j'ai un corps qui est un peu... enfin, j'aime pas mon corps, mais en même temps, je me cache pas non plus, comme vous pouvez le voir. Hein, je fais des vidéos, je me montre des maillots de bain, je m'en fous. Parce que sinon, je vivrais plus hein, si je devais me cacher. Et ben justement, le tatouage, ça me permet de m'embellir à ma façon, de me trouver plus jolie quand je regarde mon bras ou quand je... Voilà. Et je pense que vu que le ventre, chez moi, c'est quelque chose qui est très touchy. Je déteste quand on touche à mon ventre. J'aime pas quand on regarde mon ventre. Et c'est une zone qui est très sensible. J'ai le syndrome du membre fantôme. Et donc du coup, dès qu'on touche à mon ventre, j'ai des coups de jus, je fais des sursauts et tout. Et c'est plutôt chiant. Et du coup, je me dis que là, à faire une petite pièce et tout, pour pas pour accentuer mon ventre justement, mais pour le rendre plus joli, parce que pour moi, un tatouage, ça rend plus joli. Et bah, ça serait bien. Mais bon, j'ai tellement dit des tatouages de toute façon. Enfin voilà, et j'arrête pas de me gratter le nez, ça m'énerve, j'ai l'impression qu'il y a une manifestation dedans, alors que la manifestation elle est là-bas, là, enfin un petit peu partout en France, n'est-ce pas? Enfin bref, je vais arrêter de parler pour rien dire. Du coup, je vais vous laisser là.
Je pense que j'ai rien à vous raconter de plus de ma semaine trépidante. Et puis voilà, je vais me poser tranquillou là parce que c'est la fin de la journée, j'ai pas envie d'allumer l'ordinateur. J'ai fait mes mails aussi ce matin, donc nickel, je suis à jour. Et voilà, par contre, il faut que je réponde aux commentaires parce qu'il y a la vidéo qui est sortie aujourd'hui de mon haul. Encore une fois, mon nouveau haul Primark. Donc je vais aller faire je vais aller répondre aux commentaires et tout, et je vais aller tout ranger. Voilà, voilà, parce que vous voyez pas, mais il y a tout devant moi là. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, pour de nouvelles aventures de ma vie trépidante. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.